Bonjour à tous, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui 4 nouveaux numéros de la Jeep de Tintin dans Objectif Lune. Donc avec les numéros 61, 62, 63 et 64. Comme d'habitude, vous avez tous les détails de cette collection dans la description, le lien du groupe Facebook de ton soutien. On s'abonne à la chaîne et on est parti pour ces 4 numéros. Le numéro 61 d'une Jeep à l'autre, l'essieu arrière, donc avec les ressorts à lame arrière gauche, le résultat. Le 62 à nouveau d'une Jeep à l'autre, on continue le ressort à lame. Le 63, patience. Donc toujours la même partie, mais là on va venir installer le ressort. Le résultat final. Et enfin le 64, la France avant l'Amérique. On va s'occuper de l'amortisseur arrière droit cette fois-ci. Le résultat à la fin, et dans le prochain, on aura le ressort arrière-gauche. Eh bien, qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le joueur. Une fois classé du plus grand au plus petit, on va prendre le plus grand, la pièce A, on vient mettre une vis MB4 en plein milieu. Et on vient tous les mettre. On va mettre ensuite l'écrou qu'on ne serre pas à fond. Et voilà pour ce numéro 61. Voilà ce qu'il a réalisé, le joueur. Le 62, on commence à avoir l'habitude. On va venir mettre les pièces à chaque fois, donc les plus grandes en première. Fais attention au picot surtout. Voilà. Voilà pour ce numéro 62. Eh bien, qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le joueur. Alors, 63, on va déjà commencer par venir enlever l'écrou. On met notre plaque, donc la pièce A, ici, et on remet l'écrou. On vient remettre ça ensuite en place sur l'essieu. Donc on va venir l'installer par ici en mettant la partie comme ça vers l'avant. On met nos pièces. On va venir tenir avec des petits écrous. Alors, on revient sur le châssis à l'arrière. On va venir emboîter ça par ici. Comme ceci. Plus à l'avant. Donc
de l'intérieur vers l'extérieur, on va mettre les pièces C. On tient ça avec une rondelle et une vis AP4. On fixe à l'arrière, pareil, avec des rondelles et des vis MP3 cette fois-ci. Et voilà. Et enfin, on vient brancher le tuyau, donc qui va venir se brancher d'ici. À en dessous, donc dans le trou, qui va être par là. Et voilà pour ce numéro 63. Eh bien, qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le joueur. Le 64, on commence par venir juste ici. On va mettre la pièce. Alors, il faut faire attention à la flèche, elle doit être orientée vers l'avant. Ça vient comme ça ici, donc la pièce A. On la tient avec deux vis MP4. Donc lèche à l'avant. On fixe le tube d'amortisseur sur le côté de la pièce qu'on vient de mettre avec une vis AB6. On vient mettre le tube ensuite dedans et on va le fixer sur le côté ici avec une vis MB6. Et voilà pour l'amortisseur d'installer. Et voilà pour ces 4 numéros, ça y est, notre essieu est terminé. Donc il n'y a plus que l'amortisseur, un amortisseur à mettre, mais on a fini avec ses ressorts à lame. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.